Si nous avons la possibilité d'avoir ne serait-ce que 20 influenceurs qui ne serait-ce mettre la main dans la poche pour 10 000, 10 000, plutôt pour 100 000, 100 000, on est déjà à 2 millions de francs CFA. Si on va plus loin, qu'on a 30 influenceurs, on a 3 millions de francs CFA. C'est pourquoi faire? Ça peut permettre au moins à cet moment-là de savoir que sa fille appartenait à une communauté. Et toi, tu proposes combien? Moi, j'attends que les cotisations commencent pour donner mes 500 000. 500 000, c'est pourquoi? Comme participation. Pour les funérailles? Pas pour les funérailles. Comment ça? Parce que mettre beaucoup d'argent dans un funérail est une malédiction. C'est pourquoi donc? Cet argent va permettre à sa mère de s'occuper de son fils. Ah, comme elle a laissé un garçon, n'est-ce pas? C'est là, là, dans cette situation précise. Parce qu'elle nous a laissé un garçon. Et tu dis que 500 000, c'est pourquoi? Cet argent va permettre à sa mère de pouvoir mettre en place une activité pour son fils. Hein? Hein, papa? Le type-ci est un animateur public. Je vous explique. Si nous avons la possibilité d'avoir ne serait-ce que 20 influenceurs qui ne serait-ce mettre la main dans la poche pour 10 000, 10 000, plutôt pour 100 000, 100 000, on est déjà à 2 millions de francs CFA. Si on va plus loin, qu'on a 30 influenceurs, on a 3 millions de francs CFA. Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais jouer dans un problème. Ça peut permettre au moins à cet moment-là de savoir que sa fille appartenait à une communauté. On l'appelle Camille Makoso en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il s'est donné le nom de Atangana. C'est quoi ça? D'autres l'appellent pasteur. C'est notre papa. Vraiment, c'est malheureux. Il a déjà pris le deuil de Madame Cooper sur lui. Il est déjà devenu membre de famille jusqu'à dire combien les influenceurs doivent même cotiser. C'est quoi ça? Écoutez un peu attentivement ces extraits. Ok. C'est fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. J'invite vraiment les journalistes camerounais à rendre un vivant, donc un hommage très fort à notre grand frère Martinez Zogo. Essayez un peu de faire ce que les artistes et musiciens ont fait à notre papa Jenny Gento. Ça a été quand même quelque chose de waouh. Oui. Vraiment, moi-même, je suis prêt à participer pour les obsèques de Martinez Zogo. Ça fait mal. Là, c'est au lendemain qu'on avait retrouvé le corps de Martinez Zogo. Cette vidéo s'adresse à certains grands frères de la diaspora, certains influenceurs. Depuis qu'on parle, est-ce que vous avez pensé un peu que les enfants de Martinez Zogo vivent comment? L'épouse de Martinez Zogo vit comment? Pendant qu'on continue les bavardages, les gars, pardon, faisons la quête. Là, c'est quelques semaines après, je m'indignais pour la situation des enfants de Martinez Zogo. Pause publicitaire. Voilà, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette nouvelle structure au nom de Yoko Service. C'est quoi Yoko Service? Yoko Service est une nouvelle structure spécialisée dans le laboratoire photo. Donc, pour tous ceux-là qui veulent imprimer les photos dans leur téléphone, si les téléphones sont saturés, vous voulez laver vos photos, venez rapidement à Yoko Service. Si vous avez un problème de banderoles, si vous voulez imprimer vos banderoles, vos flyers, vos calendriers, vos faits-pas, si vous avez besoin de concevoir les billets d'invitation pour vos événements, mariage, baptême, anniversaire et autres, vous désirez faire des impressions sur des t-shirts un peu comme le général Franco, comme vous voyez là, Franco le mignon, venez tout simplement à Yoko Service, c'est la solution. Yoko Service est situé à Yaoundé, Ngousso, juste à 100 mètres la totale sur la route des Lever. Appelez rapidement le contact qui s'affiche pour avoir plus d'informations. Ok. Camille Makoso, ne prends pas les Camerounais pour des cons. Certains ont commencé à poster que le deuil se passe au Cameroun par catégorie. Et là, tu nous montres que c'est par catégorie. Alors, tu étais au Cameroun pour évangéliser. Comme on voit en image là, tu as eu beaucoup d'argent. Nous, on sait comment ça se passe, le business. Nous, on sait. Tu as eu beaucoup d'argent. C'est notre propre argent que tu sors encore pour nous donner. Et tu fais semblant comme si tu étais trop lâche. Non. C'est l'argent que les fidèles Camerounais ont cotisé, non? Tu as eu combien de millions? Dis-nous combien de millions tu as eu. Tu vas prendre quand même l'avion, tu viens au Cameroun comme ça, tu fais tout ça pour rien. Non. Tu as eu beaucoup d'argent. Alors, tu as proposé 500 000 pour l'enfant de Cooper. Son père est en Suisse. Son père n'a pas un problème d'argent. Et la grand-mère de cet enfant ne t'a jamais appelé pour dire que l'enfant là va souffrir ou bien l'enfant là a un problème. Son père est vraiment riche. Je sais de quoi je parle. Je ne pense pas que Martinez Zogo était vraiment riche. Peut-être il avait un peu, mais pas riche.
On nous a fait comprendre, si je ne me trompe pas, que Martinez a laissé 4 enfants. Donc, comme tu as proposé 500 000 pour l'enfant de Cooper, c'est une bonne chose. Tu as bien très bien réfléchi. Sauf que pense aussi que tu vas cotiser 500 000 pour chaque enfant de Martinez Zogo. Donc, tu as 2 millions à donner à la femme de Martinez Zogo pour qu'elle trouve aussi un emploi pour élever ses enfants. Sinon, nous, on va commencer à te regarder qu'avec un œil. J'ai dit que tu vas donner 2 millions à la mère, à la femme de Martinez, ou bien à la grand-mère des enfants de Martinez. 2 millions, mais ils étaient 4, ça fait 500 000. Tu vas aussi porter ce deuil. Là, on va comprendre vraiment que tu portes le Cameroun en cœur. Tu comprends? Mon frère, si tu veux te mêler de nos affaires, il faut bien le faire. Vous avez vu, quand je faisais la vidéo, j'interpellais aussi les journalistes à être ensemble. Et moi, j'ai dit que si on lance la quête pour Martinez, moi, je suis prêt à cotiser. Je vais le faire. Si on lance, si jamais on lance, on ouvre un litige, pour Martinez, je vais cotiser. J'ai vu beaucoup venir s'agiter. On vous demande de parler de Martinez. Vous ne parlez pas. On ne doit pas parler de Martinez de la manière dont vous voulez. Je ne fais pas mes vidéos pour provoquer les gens, pour mettre les gens en colère. Non. Moi, je ne vais pas dire ce que vous voulez. C'est comme ça que je fais mes analyses. Et c'est toujours comme ça que j'ai fait mes analyses par rapport à certaines sorties du général Valsero et de Jupon Remingono. Les gens sont venus me dire que je les manque du respect. Ce sont mes grands frères de très long. Et je ne me mets pas sur la balance avec eux. Vous avez seulement mal compris. Je disais que tout comme certains sont venus me dire que je dis des choses, après j'ai dit autre chose, je me concrétise ou bien je fais si tout le monde peut faire ce genre d'erreur. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que ce n'est pas seulement tout ce qu'ils racontent qui est vrai. Je n'ai jamais, traité de menteur. Jamais de ma vie. Moi, je les suis comme je te suis, Camille Makoso. Les gens vont venir dire après que j'ai manqué de rester avec Camille Makoso. Non. J'analyse juste vos sorties parce que moi je vous suis bien même, je vous suis tous. J'analyse juste les sorties de chacun. Quand vous faites des vidéos, sachez qu'on est derrière, on regarde. Tout de même comme moi je fais aussi mes vidéos, vous êtes derrière, vous regardez pour me porter critique. Mais quand je critique aussi, on dit non, tu t'attaques à tes supérieurs, tu t'attaques. Vous-même là que vous venez m'attaquer en commentaire, je suis aussi vos supérieurs. Chacun est supérieur à son niveau, hein. Et chacun est inférieur à son niveau. Parce que même ceux que vous appelez mes supérieurs, ce sont aussi les inférieurs pour chez d'autres personnes. Et c'est comme ça la vie. Je n'ai jamais fait une vidéo pour provoquer qui que ce soit, non. Je faisais mes analyses. Comme tout de même, je suis en train de faire les analyses sur les multiples sorties de Camille Makoso. Donc, mon général Makoso, on t'attend au deuil, aux obsèques de Martinez Zogo. Bon, comme tu es un homme généreux, je crois que tu vas donner même 10 millions. Parce que pour Martinez, quand même, était trop fort. C'est vrai que la mort, comme je disais dernièrement dans l'une de mes vidéos, la mort, c'est la mort. La mort, c'est la mort. Il n'y a pas deux morts. C'est vrai que la façon dont on meurt, c'est ça qui est un peu différent. Mais la mort reste la mort. Quel qu'en soit ce qu'on fait, la personne qui est partie ne peut plus revenir. Mes sincères condoléances encore à toutes les familles qui traversent des moments difficiles avec des morts bizarres dans notre pays. Que leur âme, tous ceux qui sont partis avant nous, arrivez seulement où vous êtes là. Vous arrangez vraiment des bonnes places aussi pour nous parce que c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va passer par là. C'est ça la vie. Tôt ou tard, tout le monde va passer par là. Donc vraiment, que vos âmes reposent en paix. Camille Makoso, nous on a les yeux sur toi, hein. Comme tu as commencé à organiser les obsèques de Madame Cooper, lance aussi directement ce qu'on va aussi cotiser pour Martinez, hein. Ben, ce que nous on attend là. Si tu es nouveau, ou bien si tu es de passage sur ma page, abonne-toi. Parce qu'ici là,
c'est la chaîne non seulement du divertissement, on fait des analyses. Hmm? Et des vraies analyses. Partagez la vidéo, les gars. Partagez cette vidéo au max. C'est une histoire de quoi? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.